na yabudu mini dulahi Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis du droit à la parole, je suis heureux de vous savoir nombreux chez vous, vous qui êtes toujours présents à ce rendez-vous hebdomadaire pour parler de nos réalités. Mais aujourd'hui, nous allons aller au-delà de la réalité congolaise. Nous allons essayer d'avoir un regard sur une réalité à l'étranger, une réalité extérieure. L'année 2012 est une année, pour les pessimistes, c'est l'année de l'apocalypse, c'est la fin du monde. Pour les optimistes, c'est l'année de la fin d'un cycle. Et qu'un autre cycle pourra certainement commencer. Mais beaucoup plus pour certains pays, c'est l'année électorale où les chefs d'État vont se présenter devant leur peuple pour se faire choisir ou se faire remercier. Aujourd'hui, nous avons choisi de discuter d'un homme, qui est présent dans notre univers d'intelligence, c'est le président français Nicolas Sarkozy, qui vient d'arriver aussi à la fin de son mandat. Nous l'avons suivi et je voudrais ici avec vous partager avec mes invités les quelques pensées profondes pour savoir quelles sont les chances qu'il soit réélu à son poste et dans tous les cas, quelles sont les chances d'une certaine alternative en France, quelles sont les grandes forces qui se présentent à nous, nous en tant qu'observateurs de cette réalité. Le Congolais a besoin aussi de réfléchir sur les autres nations, il n'y a pas que les autres qui réfléchissent sur nous. Pour en parler, j'ai donc ici deux invités, deux grands intellectuels. Je voudrais commencer par M. André-Alain Atundu. Vous êtes un homme qu'on ne présente plus, mais ici je vous ai appelé parce que vous êtes responsable d'un bureau d'études stratégiques, The Best. Vous êtes donc un analyste que j'ai invité. Et à votre gauche, à ma droite, à moi, Junior Bomboko. Vous aussi, on ne vous présente plus. Par le nom et par vos prestances. Merci. Vous êtes donc un intellectuel congolais, un acteur politique, vous êtes sur la scène. Et donc, c'est donc avec vous que nous allons essayer de sortir de notre microcosme, d'aller analyser, scruter la réalité des autres. La France, c'est un pays qui nous est cher. Nous sommes tous dans la francophonie. Le Congo va abriter cette année le sommet de la francophonie. Ça sera soit le président Nicolas Sarkozy s'il est élu, soit François Hollande si c'est lui, soit pourquoi pas Le Pen. On ne sait jamais. Alors je ne voudrais pas qu'on fasse une émission de campagne. C'est une émission d'analyse, de prospective, faciliter aux Congolais la compréhension de l'enjeu mondial, de l'enjeu français. La France est la cinquième puissance du monde. Première question, M. Alain Atundu. Êtes-vous proche de la réalité française, personnellement ? Je ne sais pas ce qu'on entend par proche, mais je suis avec attention ce qui s'est fait en France sur le plan politique, sur le plan social, parce que, vous l'avez vous-même dit, la France, le président français, les décisions du gouvernement français influent sur notre vie quotidienne. Aussi bien si ces décisions se répercutent ici ou si ça touche, ou si ces décisions touchent nos compatriotes résidents en France. Donc, je suis plus ou moins au courant des choses et je complète mon ignorance par la réflexion profonde de ces réalités. Votre modestie ne peut que vous remonter davantage. Vous connaissez beaucoup de choses. Alors, M. Junior Bomboko, vous avez vécu en France quand même pendant un temps. En Belgique. En Belgique. Alors, quel lien vous avez avec... la réalité française, bien intellectuelle, vous suivez la réalité française ? En toute modestie, un homme politique responsable et avisé se doit d'ausculter, détailler, doit se faire violence au niveau de la réflexion afin de mieux enrichir son débat. Nous allons assister bientôt à un affrontement, il a déjà eu lieu, au niveau des options sur le devenir d'un pays. Ça sera à coup d'argumentaire. C'est enrichissant et passionnant. Nous allons donc y aller. Et alors, je vous pose une question d'entrée des jeux. Quelles sont les chances aujourd'hui de Nicolas Sarkozy d'être réélu ? Je pose cette question d'emblée parce que tous les sondages, jusqu'à ce jour, jusqu'à ce matin, le donne perdant, au second tour. Et même certains sondages qui sont les plus
pessimistes disent même qu'il pourra même être éliminé au premier tour. Alors, c'est un président connu, puissant, qui a pris des grandes décisions durant son mandat. Alors comme ça, selon vous, quelles sont les chances qu'il a, Monsieur Atungu? En réalité, c'est une question conclusion. Mais nous commençons par la conclusion. Oui. Je pense que d'abord, une élection présidentielle, c'est par définition et par excellence une équation personnelle. Un moment critique et de vérité entre un homme et ceux qui doivent lui donner un mandat. Qu'est-ce qu'on vote? Parce qu'il faut en réalité chercher les déterminants du vote, les éléments déterminants. Est-ce qu'on vote le bilan, ce qu'on a fait? Est-ce qu'on vote les promesses, ce qu'on va faire? Est-ce qu'on vote la personnalité, c'est-à-dire la façon dont vous êtes perçu? Aujourd'hui, le président Sarkozy est perçu comme un super président, agité, actif, qui a fait des actions, le bilan mitigé, qui fait des promesses maintenant sous forme des décisions en ne se déclarant pas candidat, mais dont les effets bénéfiques sont projetés dans le prochain mandat. Donc tout homme raisonnable dira, on a intérêt à ce que cet homme la passe, mais il est aussi perçu comme un président qui joue au poker menteur, qui ne veut pas dire en réalité ce qu'il est aujourd'hui, candidat, mais tout le monde sait qu'il est candidat. Alors, cette ambivalence ou cette ambiguïté dérange certains et amène d'autres à penser que c'est la nature profonde de sa personnalité, c'est d'être ambigu lorsqu'on voit toutes les personnalités qui ont constitué son équipe jusqu'ici, c'est la gauche, la droite, etc. La droite de la droite, la droite de la gauche de la droite, etc. Et donc, ce sont là des éléments importants. Alors, il faut le voir par rapport aux autres. Monsieur Hollande était connu comme un capitaine, en réalité, sans personnalité, un capitaine plutôt de voix douce, plutôt que de mer démontée. Alors, on l'a vu à l'œuvre, les interviews, les débats avec, Juppé, etc. Et toutes ces prestations ont révélé un autre homme qui a de la personnalité, qui a de la consistance, qui a une vision qui peut rassurer. Alors, est-ce que cela est suffisant? Notamment dans leur proposition. Alors, je reste encore avec vous. Quand nous suivons le parcours de François Hollande, on sent qu'il a passé par les primaires. Il a donc adopté un programme de son parti. C'est le Parti Socialiste qui a un programme. Il est donc porte-parole de la gauche, en tout cas du Parti Socialiste. Il est le candidat aujourd'hui de ce Parti Socialiste-là. Donc il est le porte-parole d'un groupe important. En même temps, l'élection présidentielle est une équation personnelle. Est-ce que les idées personnelles de Hollande peuvent jouer? Les idées qu'il défend aujourd'hui, est-ce que sa personnalité peut jouer encore ou bien c'est beaucoup plus l'offre politique qu'il a? Les idées de Hollande aujourd'hui, c'est la sublimation de l'idée socialiste. Absolument. N'oubliez pas qu'il a été longtemps le secrétaire général du Parti Socialiste, il a eu à gérer les courants, les tempéraments, les sautes d'humeur. Et s'il est passé haut la main aux primaires socialistes, c'est qu'en réalité, on lui fait confiance et on trouve que c'est quelqu'un qui comprend tout le monde. C'est un moindre mal, un homme qui rassure. Parce qu'il faut voir même le comportement de ses adversaires d'hier, aujourd'hui. Ségolène Royal est là, Martine Aubry, oui, etc. Et même Mélenchon, qui est candidat aussi, mais n'est pas aussi incisif vis-à-vis de François Hollande. Donc je pense que c'est un candidat qui a un grand potentiel d'élection, n'est-ce pas? Par sa personnalité, par sa méthodologie, par ses propositions et par sa vision. Je vous sens un peu penché vers Hollande. Non, Sarkozy. Je fais des analyses. D'accord. Sarkozy est là
Et c'est en fonction de lui que les gens vont se détendre. Parce que, à part Hollande, il y a Bayrou. D'accord. Bayrou qui dit qu'il va résorber les 2 milliards de déficit, n'est-ce pas, en bloquant le taux de dépenses et en faisant des recettes supplémentaires de 500. Donc en 2 ans, il est capable de tout résorber. Bon. Il faut lui donner sa chance. Marie Le Pen, il est de droite, etc. Les autres sont des candidats à faire valoir. Donc, ici, d'ailleurs, en tant que stratégiste, si je puis ainsi parler, je ne peux pas me pencher. N'est-ce pas ? D'accord, je me force d'être objectif. Je ne peux pas que vous provoquer pour avoir un peu plus d'éléments. Monsieur Julien Bomboko, sous la même question, hein, nous avons évidemment commencé par la fin, mais la question reste pendante. Quelles chances vous accordez à Sarkozy ? Quels sont les problèmes ? Je ne suis pas devin. Nul d'entre nous n'a la vérité des urnes. Il y a une interrogation. Vous savez, l'œuvre humaine, quelle que soit la qualité du bilan, sera toujours perfectible. Je parle de l'œuvre politique. Pour moi, Sarkozy se trouve au pied du mur. Mon aîné a effleuré tout à l'heure un passage lorsqu'il a suggéré la personnalité d'un acteur politique. Vous devez savoir que de tradition, depuis De Gaulle, bien que la France soit une république, la fonction présidentielle a toujours donné un aspect monarchique. Il y a des symboles. Voilà une personne, de par ses déclarations, la manière dont il a traité à la foire agricole, par des mots déplacés, une personne qu'il avait provoquée. Cela a choqué la France. On est censé être un modèle. L'arrogance. Vous pouvez avoir raison sur un projet, sur une prospective. Il y a la manière d'imposer cela à la population. Beaucoup de gens lui reprochent sa personnalité. Nous allons, si mon aîné me permet, aborder les failles au niveau du bilan. Nous avions un déficit budgétaire de 3,2. À l'heure actuelle, il oscille hors pacte de stabilité, il oscille à 5,5. Il a laissé filer les déficits. Exonération au niveau des droits de succession. La même exonération au niveau des heures supplémentaires. La non-imposition de ces heures supplémentaires. Cela a augmenté les dépenses publiques. Si nous devions donner une lisibilité à ce bilan, mon aîné a parlé de 2 milliards. Mais vous devez savoir, Willy, 2 000 milliards. De 2 000 milliards. Mais vous devez savoir que lorsqu'il a pris le pouvoir, le déficit public, le déficit souverain, oscillait entre 1 200 milliards. Certains diront que la crise financière de 2008 est passée par là. Mon aîné et moi, nous pouvons chiffrer, hein, les chiffres sont vérifiables à Internet. La crise financière a coûté 150 milliards à la République française. Il a, au niveau de son ardoise, il a accentué le déficit de la République française de l'ordre de 5 à 600 milliards. C'est un bilan. Mon aîné a souligné, il a parlé de François Bayrou. C'est un des seuls
homme politique français qui, en son temps, a eu à dénoncer cet accroissement du déficit public. Mais quand vous suivez la droite qui est au pouvoir en France aujourd'hui, évidemment, ils disent qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. La réalité économique, la crise financière, imposer des décisions impopulaires, mais ça a causé parvenu quand même à sortir la France de la crise, et que tout ce que propose aujourd'hui la gauche et les autres, c'est de l'irresponsabilité, la démagogie. Ce qu'ils proposent, le Parti socialiste, c'est de la démagogie. Et que quand on est responsable d'un pays et que l'on veut devenir un chef d'État, il ne faut pas se lancer dans la démagogie parce qu'on ne réussira pas, surtout quand, par exemple, Bayrou dit qu'il peut résorber en 2 années. Nous allons parler franchement. Ouais. Il y a une situation à l'heure actuelle, une interrogation. Comment peut-on associer rigueur et croissance? Il y a les acquis sociaux à maintenir. Vous savez, un haut responsable chinois avait eu à déclarer récemment que la crise de la dette souveraine au niveau des pays occidentaux doit être une remise en question des acquis sociaux. Il y a des sérieux problèmes. Prenez l'exemple de la France. En son temps, M. Schröder avait eu à réformer, à imposer des réformes importantes qui sont à l'heure actuelle le succès de l'Allemagne. La compression des salaires, l'investissement massif au niveau de la formation et l'innovation, la compétitivité des petites et moyennes entreprises. Nous avons une Allemagne aujourd'hui au sein de l'euro qui a une balance commerciale excédentaire. De l'ordre de... En 2010, ça oscillait au niveau des 80 milliards d'euros. Au même moment, en 2010, cette balance commerciale était déficitaire en France. Sarkozy, mon aîné va compléter, a donné le tout libéral, le bouclier fiscal. Il s'est dit, pour résumer sa pensée, les riches vont payer, seront imposés moins, nous allons travailler plus et il y aura plus à redistribuer. Nous sommes sur la même question de décortiquer les déterminants. Parce que là, M. Bomboko, tout à l'heure, c'est de dire que la faiblesse, la grande faiblesse, c'est le bilan de Sarkozy qui a beaucoup plus à travailler pour les riches. On peut comme ça faire des raccourcis. Et que aujourd'hui la grogne, elle est là. D'autre côté, vous dites que c'est vrai que Sarkozy est là et qu'il peut promettre des choses. Il promet d'ailleurs de beaucoup de choses, et ces choses qu'il promet, avec l'expérience qu'il a de la crise financière, les Français peuvent encore s'accrocher. Je voudrais que vous puissiez un peu approfondir son bilan. Je voudrais surtout relever la phrase que vous avez reprise, de la réaction du côté de Sarkozy, à savoir que les autres font de la démagogie. Or, je pense que ce n'est pas la perception d'une grande partie de l'opinion française. Pourquoi M. Bomboko a dit, non sans raison, que le président Sarkozy était tout libéral et vous avez résumé qu'il travaillait pour les riches. Et les propositions de Hollande, les propositions de Bayrou, c'est de quoi? C'est de ne pas toucher aux retraites. De ne pas toucher aux retraites, de ne pas toucher aux salaires, mais de toucher aux niches. C'est-à-dire aux réserves des riches, etc. Et une des propositions de Bayrou, c'est qu'il s'est dit, il y a aujourd'hui, parce que l'enjeu électoral, il est économique et financier, et il est aussi social. Aujourd'hui, le mal logement est un grand problème social en France. Il y a 3,5 millions de mal logés. Mais il y a 700 000 logements non occupés. Parce que
les propriétaires n'osent le proposer au risque de ne pas se faire payer, au risque d'avoir de contre-coups financiers, etc. Et un des candidats a dit, écoutez, moi, à partir de ces niches, je vais créer une mutuelle. Et c'est grâce à cette mutuelle, qui ne va rien coûter aux contribuables, parce que c'est à partir des niches, ben, grâce à cette mutuelle, les propriétaires seront garantis contre les risques locataires. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'ils s'ouvrent, que les 700, etc. etc. Donc, ce sont quand même expédiés, n'est-ce pas, les contre-propositions des autres candidats, au motif que c'est de la démagogie. Je crois que ce n'est pas un argument pertinent ni percutant. Parce que les gens réfléchissent. Effectivement, cette proposition est censée. Par exemple, sur le logement, lui, il propose la TVA sociale pour donner un peu plus de moyens aux Français. Et... Mais les autres, Hollande notamment, dit, moi, je vais récupérer les domaines de l'État, les redistribuer afin de. Bayrou parle de cette mutuelle à créer. Et donc, le débat est un débat de fond profond. Ça. Et par ailleurs, nous voyons, l'industrie française ne se porte pas très bien. Au point qu'aujourd'hui, bon, lorsqu'on commande 150 rafales, bon, ça met beaucoup d'espoir. Mais cela n'est pas dû, je ne sais pas si c'est dû à Sarkozy ou si c'est dû à la droite, mais cela est dû aux options fondamentales prises il y a au moins 10 ans. Absolument. Donc, il n'a pas su redresser la barre. Et c'est sur ça qu'on va les juger. Alors, la pertinence des autres. Aujourd'hui, le président Sarkozy a 26% à peu près d'intention de vote. Oui. Ça, Hollande, 31. Bon, on peut penser que sur le plan d'intention de vote, M. Hollande a fait pratiquement le plein. Parce que les gens se disent, on va le voter par rapport à Sarkozy surtout. Mais tandis que M. Sarkozy n'a pas fait le vote, parce que probablement certains se disent, bon, sera-t-il candidat, ne sera-t-il pas? Alors, lorsqu'il va se déclarer candidat, est-ce que ce sera en sa faveur? Si le nombre de gens qui pensent que le président joue au poker menteur et qu'il pensait être plus intelligent que tout le monde, on va le sanctionner. Donc sa déclaration de candidature risque d'accuser le coup en allant au-delà de 26. Si cette déclaration donne espoir par rapport aux mesures qu'il a prises et dont les effets se feront sentir fin 2012 ou 2013, alors il va remonter dans les sondages. Et donc il faut voir un peu comment les choses vont se faire maintenant. Je crois qu'il a tenté de déstabiliser M. Hollande par l'intermédiaire d'Alain Juppé. Et on s'est vu que M. Hollande s'est bien défendu. Donc ça a révélé un Hollande bagarreur et tout à fait avec le costume du métier, si je puis ainsi dire. Et de l'autre côté, on cherche à voir si le président Sarkozy, deuxième cuvée, sera différente. C'est-à-dire ce caractère prime sautier et brutal, cette superactivité qui monopolise toute la nation et toutes les activités autour de sa personne, s'il va laisser les autres penser et contribuer à l'enrichissement de sa pensée. Alors, je vais vous demander de faire des commentaires sur deux personnalités dont on n'a pas parlé maintenant, depuis, mais qui l'un à gauche, l'autre à droite, c'est Aidé Villepin, qui est aussi candidat, qui en tout cas n'a pas montré sa cour d'amour pour Sarkozy, mais il y a aussi Strauss-Kahn, qui n'est peut-être pas dans les débats aujourd'hui, mais probablement qui aurait été à la place de Hollande. Ceci m'amène à dire, mais écoutez, comment la politique française elle se conçoit en même temps autour des programmes, mais en même temps je sens que la personnalité vaut le programme, j'ai l'impression. Parce que quand on regarde aujourd'hui De Villepin et Sarkozy, c'est la droite. Ils ont été tous membres d'un même gouvernement.
les grandes options fondamentales n'ont pas été différentes. Mais pourtant, l'un va se présenter contre l'autre. Quand on regarde vers la gauche, je vois les options de Strauss-Kahn dans la bouche de Hollande. J'aimerais que vous puissiez un peu parler des autres, M. Bomoko, de Vulpin. La politique est un art. On peut être armé au niveau du savoir et ne pas avoir l'habileté politique, malgré les reproches que nous avons eus à énumérer en ce qui concerne le bilan de M. Sarkozy. M. Sarkozy est un bagarreur politique. Lorsque vous regardez, sinon, il y a un animal politique. Absolument. Lorsque vous regardez son ascension, comment à un moment donné il vient, je dirais, c'est un des lieutenants de M. Chirac, qu'il trahira à un moment donné, croyant aux chances de Balladur. Comment il a pu rattraper le train chiracien pour arriver au perchoir à l'heure actuelle, c'est d'une habileté diabolique. Ça, on ne peut pas lui retirer. De Vulpin a-t-il la même hardiesse, la même combativité? Vous avez un homme comme Alain Juppé, qui est d'une intelligence extraordinaire. Je ne sors pas du débat. Je veux simplement vous démontrer que combattant politique, cette habileté, hein, mon aîné ira plus en profondeur, ce n'est pas donné à tout le monde. Un seul exemple, je ne me mets pas hors du débat, Fabius, qui est d'une intelligence, d'une finesse d'esprit extraordinaire. Pourquoi Fabius n'est pas là à l'heure actuelle? C'est une question pertinente. La même remarque peut être attribuée à Jospin. L'erreur monumentale. Vous savez, l'échec fait partie du parcours de tout politique. Cette démission, lorsque Le Pen est passé au deuxième tour, hein, cette mise à l'écart. Il s'est mis lui-même à l'écart, en fait. Oui. Ne pas être capable de maîtriser ses émotions, ce n'est pas du registre d'un combattant politique. Le problème de Dominique Strauss-Kahn, un esprit brillantissime. Vous savez, cette gaffe, l'épisode malheureux de New York, nous l'aurions peut-être eu au combat final. J'ai essayé d'esquisser, sans pour autant me départir de la question, que le combat politique exige plusieurs atouts. Donc Sarkozy peut rebondir, il peut devenir encore plus puissant, plus poignant, et un peu comme Jacques Chirac. Lors de sa réélection, il avait aussi les sondages en sa défaveur. Quels sont les ressorts? Qu'est-ce qui peut changer? Si mon aîné me permet, Chirac n'a jamais été aussi dangereux que Daumur. Chirac, c'est le combattant, il n'y a pas meilleur modèle. D'accord, je vous en prie. C'est vrai, c'est vrai. D'autant plus que lorsqu'il avait décidé de créer le RPR. Les barons de l'UDR étaient partis et Chirac n'avait que 13% des partisans. Et à partir de là, il est remonté. Et à la fin, pour préparer quelqu'un dont a parlé M. Bomoko, pour préparer Alain Juppé, il a créé l'UMP. C'était pour préparer Alain Juppé. Donc, c'est vraiment un animal politique
qui... un milieu un peu qui a été récupéré par d'où l'habileté diabolique dont a parlé M. Boboko. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être un prestidigitateur pour réussir ce coup de maître. Parce que le président Sarkozy, c'est qui ? Ce n'est pas seulement un partenaire politique du président Chirac. Non, c'était un intime. Un fils presque. Un fils adoptif. Un fils et intime. Parce que, sans révéler les secrets de qui que ce soit, je crois qu'il avait des relations un peu plus qu'amicales avec Claude Chirac. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment de la maison. Et quand il a fait cette, on va dire, cette embardée vers Balladur, ça fait de la peine physiquement, pas idéologiquement seulement, physiquement à Chirac et à Bernadette Chirac. Et donc, mais comment as-tu fait pour revenir dans les bonnes grâces de Chirac, ou au moins une tolérance militante de Chirac, et récupérer, parce qu'il représentait un espoir pour le plus grand nombre. Et aujourd'hui, la France va voter pour celui qui va représenter le plus grand espoir. Et vous avez parlé de Strauss-Kahn. Strauss-Kahn sera, durant cette campagne, et même probablement durant le mandat qui va suivre, il sera le regret éternel de la France et des Français. Mais, surtout si, par malheur, Hollande ne passe pas. Mais on ne gagne pas une élection sur la base de regrets et de rejets. Absolument. D'où il est important de proposer des solutions. Parce qu'aujourd'hui, la France, les Français vivent une situation sociale difficile. Alors, la dernière question que je vais vous poser, sur laquelle nous allons atterrir, évidemment, on ne peut pas parler de la France sans parler du Congo, sans parler de l'Afrique. L'élection va se faire. Quand vous connaissez les intérêts de notre pays, vous connaissez les attentes de cette population, tant soit peu que l'élection française, et l'homme qui sera à la tête de la France à partir du mois de mai prendra des décisions qui pourraient influer du même temps que sur le Congo, les intérêts du Congo pourront se pencher vers quel candidat ? Qu'est-ce qui sera mieux pour le Congo ? Vous savez, dans ce genre de relation, ce n'est pas la personnalisation. Il s'agit d'intérêts bilatéraux. J'aimerais que nous puissions nous départir un peu, parler encore du bilan de Sarkozy en ce qui concerne l'Afrique. On a insisté au droit d'ingérence sous le couvert de l'ONU. Côte d'Ivoire, la Libye. Certains analystes ont eu l'audace d'effleurer une autre recolonisation économique. L'élection française a une importance pour nous, Africains. Mon aîné va poursuivre. Vous lui passez la parole. merci beaucoup. Il est symptomatique de constater que l'Afrique n'est pas présente dans le débat français pour l'élection présidentielle en France. Et pourtant, il se sont passées des choses. La Libye, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, ce sont des moments qui ont mis à rude épreuve la nature de nos relations avec la France. Alors, si nous sommes absents, ça pourrait signifier deux choses. C'est qu'en réalité, nous ne comptons pas. Nous ne comptons pas, comme vous dites. Et par ailleurs, et ça c'est de notre responsabilité, nous n'avons aucune opinion publique. Parce que vous savez, en démocratie, c'est l'opinion publique qui sert de bouclier. Si nous avions une opinion publique africaine, je suis sûr que les choses se seraient passées autrement, et en Libye, et en Tunisie, et en Côte d'Ivoire.
parce que l'opinion publique, c'est comme une certaine sublimation de la personnalité du moment d'un État. L'Afrique n'a pas réagi, par exemple, par rapport à ce qui se passe en Grèce. Pourquoi ? Parce que non seulement nous n'avons pas d'opinion publique, nous n'avons pas de mémoire collective. Parce que ce qui se passe en Grèce, même en Syrie d'ailleurs. Non. La Grèce, à cause des répercussions sociales, des désordres sociaux. Mais ça s'est passé ici. Ça a risqué de se passer ici en Afrique. Souvenez-vous que dans les années 80, le président Bongo, le président Mobutu, avait dit à la Banque mondiale, écoutez, cessez un peu ces mesures de rigueur, parce que nous ne dirigeons pas des moutons. Or, aujourd'hui, la Grèce réagit. Et vous savez qu'il est en train de régimber contre les instructions de la Banque mondiale. Et le peuple français est attentif à cela. Les Espagnols aussi. Et quelques ramifications, ou bien la fin de l'onde de choc, quand même à New York. Tous ces gens-là qui occupent Wall Street, etc. Donc ça signifie qu'en réalité, nous sommes en train d'assister, non pas à la fin du monde, non, peut-être à la fin d'un monde. Hein, donc, parce que bon, le printemps arabe, cette puissance politique des mécontents, qui ne sont pas dans les partis. Qu'on appelle les indignés. Voilà, les indignés qui sont en Espagne, qui sont en France, qui sont en Grèce, qui sont aux États-Unis. Eh bien, qui va les capitaliser ? Le jour où ils auront conscience de leur force, ils vont se forger un fer de lance et qui risque de faire mal. Alors, évidemment, j'ai compris que vous n'avez pas voulu choisir d'une l'un l'autre. C'est, non, moi je vais vous dire, l'analyse. J'appuie exactement ce que M. Bomoko dit, non pas parce que c'est mon frère, non, parce que l'histoire, il puise sa vision de l'histoire. Qui était le plus grand ennemi de Mobutu en France, puisque Mitterrand? Et pourtant, quand il est arrivé, il a eu des discours durs, etc. Et puis, à un moment donné, la politique, les relations bilatérales se sont façonnées à l'aune des intérêts, à les bien compris, on va dire, des uns et des autres. Et c'est ce qui va arriver. C'est pour cela que, je pense qu'on me l'a dit, M. Mboko, il faut éviter de personnaliser. Ici, on ne peut pas se battre et se battre... et se faire tuer pour Sarkozy, Hollande, etc. Parce qu'en réalité, appliquer la politique de la France. Et la politique de la France, c'est de participer à la gestion des ressources rares qui font la grandeur des nations de recherche. Et nous, Savez bien que... La France, oui. c'est aussi participer à la gestion de ses ressources, notamment la forêt. Et n'oubliez pas qu'au Tchad, la France observe depuis plus de 20 ans l'évolution du lac Tchad et a osé même proposer absolument que l'on puisse retirer de l'eau d'ici donc. Absolument. La France n'a pas renoncé à son ambition de grande puissance internationale. Et vous avez tous appris il y a quelques mois, on parlait des mallettes d'argent qui partiraient de l'Afrique à l'époque pour aller financer la campagne en France. Ça veut dire que les Africains, d'une manière ou d'une autre, sont intéressés par telle ou telle obédience en France, à une certaine mesure. Bon, ne jugeons pas en politique. Chaque époque a ses réalités. Actuellement, ce n'est pas possible. Chaque époque a ses réalités. Monsieur Sarkozy, lorsqu'il a eu à prendre le pouvoir, a eu à dénoncer d'une manière fracassante la France-Afrique. Mais lorsqu'on regarde les droits d'ingérence qui a eu lieu. Vous savez, ceci doit interpeller les Africains. Lorsqu'il y a eu le drame libyen, on n'a pas entendu la voix de l'Afrique. Nous avions proposé une médiation. Le président Sassou et d'autres se sont rendus en Libye. Cela a été marginalisé. C'est dangereux. L'Afrique, pour son devenir, a un poids important, doit, comme a dit mon aîné, faire entendre sa voix. Je suis content qu'il ait parlé de nos opinions. Je vous remercie de nous avoir conviés
ce genre d'émission peut éduquer la population, hein, peut nous sortir de la routine. Le meilleur moyen, c'est la bonne information. Vous avez semblé nous dire que nous étions, nous avions des atomes crochus. Non, le savoir vrai n'est pas politisé. Hein, le courant politique est absent. Dans les vrais savoirs. Dans le vrai savoir. Alors, nous allons terminer avec vous, vous allez conclure cette émission. Évidemment, quelle pourrait être la meilleure attitude pour le gouvernant congolais en observant cette élection en France? Un pays qui observe notre se modifier, pour être en bonne posture, que devront faire pour vous les autorités congolaises? Les autorités congolaises devraient en réalité identifier les intérêts fondamentaux de la République qu'il faut absolument défendre, que ce soit Hollande président, Sarkozy, Bayrou, Le Pen, etc. Il faut que nous puissions identifier nos intérêts. Nos intérêts, c'est quoi? Fondamentaux. D'abord, l'intégrité territoriale. Il ne faut pas que celui qui viendrait, eh bien, favorise par exemple le Rwanda en disant, mais vous savez, reprenez votre fusil de guerre et allez occuper le Kivu. Et là, nous devons être très attentifs parce que nous voyons un certain arrimage, n'est-ce pas, entre la France de Sarkozy et le Rwanda post-génocide. Est-ce que nous ferons le frais de ces mea culpa des uns et des autres? Ça, c'est très important. Mais en réalité, votre question par rapport à ce qui se passe en France dépasse le Congo et pose la question de la survie de l'Afrique en tant que continent et des États de l'Afrique en tant que des entités administrées. Il faut des conditions. Parce que ce qui se passe en France, quelle est la dernière solution? C'est un. La France, l'enjeu, c'est de garder le leadership économique et financier sur le plan international, et il a compris que pour le faire, il faut l'attelage de l'Afrique. Pas de l'Afrique, de l'Allemagne. Et c'est à partir de... Alors nous, les Africains, devons comprendre. Pour que le Congo survive comme État, le Rwanda comme État, etc., qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut que le continent se comporte en un système. D'où la nécessité de l'intégration systémique. Il faut qu'un événement qui se passe comme ça s'est passé hier en Égypte, que cela bouscule les autres Africains. Ce qui se passe au Caire doit bousculer le Cap. N'est-ce pas? Ce qui se passe au Lesotho doit préoccuper le Maroc. C'est comme ce qui s'est passé en Grèce a préoccupé l'ensemble de l'Europe et au-delà le monde occidental. Regardez un peu, si mon aîné me permet. Regardez un peu la diplomatie agissante du Qatar, qui est un contrepoids dans le monde arabe du monopole décisionnel de l'Occident. Non, c'est important. J'aimerais pouvoir bénéficier de 2 secondes. Oui. Ce que, en parlant des intérêts de notre pays, mon propos s'adresse à l'ensemble de la classe politique congolaise. Oui. Il est temps que nous ayons une diplomatie de qualité. C'est important. Des diplomates de carrière. En politique, il faut anticiper. C'est très important si nous voulons nous réapproprier nos avantages au niveau du continent et sur le plan international. Merci beaucoup à tous mes 2 invités, surtout d'avoir été aussi pertinents et aussi présents. Et vous dans nous cette laissez émission. Sur notre fin. Oui, mais bien sûr, toutes les émissions ne peuvent pas tout aborder. Mais l'essentiel a été dit et je crois que les téléspectateurs ont compris que j'avais là deux grands cadres de ce pays qui ont un regard pointu sur l'actualité dans le monde. Nous sommes dans un monde interdépendant. Nous ne pouvons pas vivre dans un îlot croyant que le Congo est c'est ça le pays et le reste du monde c'est le vide. Non, le Congo est dans un monde et comme M. Latour l'a dit,
nous devons réussir, et j'ai bien aimé l'expression, une intégration systémique qui permettra à l'Afrique de devenir une puissance et de faire face à d'autres puissances. Moi, je vous promets que chaque mois, au moins une fois, nous aborderons des thèmes qui n'ont rien à voir avec la politique interne. Évidemment, il y aura 3 émissions sur la politique interne, mais une émission au moins sur la politique externe. Je vous dis déjà, si c'est possible, la fois prochaine, nous parlerons du Sénégal, parce que c'est un pays qui nous est cher, et c'est un pays avec lequel nous vivons des grandes relations d'amitié. Et ce qui se passe au Sénégal, les Congolais ont le droit de commenter, de discuter sur ça. Il faut qu'on le fasse parce que nous avons besoin, encore une fois j'emprunte à M. Atundu le terme, d'alimenter notre opinion publique, qu'elle grandisse, qu'elle s'exprime. Mesdames et messieurs, c'est la fin de droit à la parole. Encore une fois, je remercie les invités, M. Bomboko et M. Atundu. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Tous mes problèmes.